Alors parlons maintenant des malades et je me tourne vers vous, Hervé Guibert. En écrivant ce livre à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, à quelle exigence, à quelle nécessité vous obéissiez en écrivant ce livre sur le sida en général et sur votre sida en particulier? Ben, je crois que déjà pendant des années, j'ai voulu tenir ce mot sida le plus loin de moi possible. Donc ça existait. Comme beaucoup de gens, quelquefois, je me disais, c'est sûr, moi aussi, je dois l'avoir. À d'autres moments, je me disais, non, c'est pas possible, je l'ai pas. Et en tout cas, donc j'ai continué à écrire et j'ai jamais voulu écrire ce mot, quoi, par superstition. Bon, il y a eu des livres régulièrement qui sont sortis sur le sida, des romans, des livres d'enquête. Je voulais absolument rien lire de ça. Et pendant ce temps-là, en même temps, il y avait dans ma vie plein de... Il n'y avait pas seulement des appréhensions, mes appréhensions. Il y avait des prémonitions comme ça, très curieuses. Et il y avait aussi des conjurations, en fait, contre ces éléments de prémonition et des tentatives d'exorcisme et des vœux et tout ça. Il y avait aussi des gens atteints du sida autour de vous. Il y avait aussi... J'ai été témoin donc de la mort de Michel Foucault. C'est ça. Alors, on le reconnaît. Vous l'appelez Musil dans votre, oui, dans votre livre, mais évidemment, on reconnaît tout de suite Michel Foucault, qui était votre ami. Mais évidemment, vous avez vu que la presse en a beaucoup parlé, et dans les journaux, on s'est posé cette question. Est-ce que vous aviez le droit de raconter l'agonie et la mort de Michel Foucault, qui était votre ami? Je crois que, je ne sais pas si j'avais le droit ou pas, je crois que de toute façon cette mort, cette agonie n'appartient à personne, ne m'appartient pas. Je ne suis pas le détenteur de la vérité sur cette mort-là. Simplement j'ai pu remarquer que dans ce qui m'était reproché, non seulement quand même une grande malhonnêteté, parce que bon, cet hebdomadaire à sensation qui m'a fait le plus grand procès, puisqu'il a développé ce procès sur 8 pages en faisant un sondage auprès d'auteurs qui n'avaient pas lu le livre pour leur demander, pour leur monter le bourrichon en leur disant il y a ça est dans le livre et tout ça. Bon, il se trouve que cet hebdomadaire s'était jeté vraiment sur les épreuves en disant formidable, on publie, on fait le scoop, on publie, on fait la vérité sur la mort de Michel Foucault. Bon, j'ai refusé, à partir de là, ils ont retourné le système en faisant des leçons de morale et tout ça. Mais bon, moi, bon, je trouve aussi qu'il y a derrière tout ça, c'est ce qui m'énerve le plus d'ailleurs, une hypocrisie, une pudibonderie quand même, parce que tout le côté... Bon, la vie privée, le respect de la vie privée, tout ça. Bon, Michel Foucault, c'était quelqu'un qui était évidemment attentif à la notion de vie privée, mais c'était aussi quelqu'un qui avait une liberté dans sa vie, qui avait une audace. Et bon, il était tout sur ce qu'on appelle dans le jargon homosexuel une closet queen, c'est-à-dire une tante de placard. Enfin, c'était quelqu'un qui sortait très rarement. Mais quand il sortait avec quelques amis, quand il allait au cinéma, bon, il aimait embrasser ses amis. C'est quelqu'un aussi, on m'a reproché des choses sur le sadomasochisme. Mais c'est bon, il a donné des interviews sur le sadomasochisme. Bon, il ne les a pas données au Monde, au journal Le Monde. Mais il a expliqué que pour lui, c'était une école de la délicatesse, de l'attention à l'autre, que c'était tout sauf quelque chose qui relevait de la brutalité. Enfin bon... Je sais pas, c'était quelqu'un aussi, bon, je parle de son blouson de cuir pour sortir le samedi soir, mais aussi, bon, le dimanche matin, pour aller faire son marché, d'un seul coup, sans doute, il se disait, bon, mon manteau chinois à col de fourrure, il est trop lourd, finalement, c'est commode, ce blouson, c'est léger, bon, je l'ai rencontré un matin, puisqu'on était voisins, dans une pâtisserie, avec son blouson, bon, ça faisait un drôle d'effet, mais... Mais Hervé Guibert, quand vous avez assisté à l'agonie de Michel Foucault, est-ce que vous saviez, vous, que vous étiez porteur du sida? Ben, c'est ce que je raconte dans le livre, ouais. C'est-à-dire, bon... Ça correspond à l'incubation. Bon, bizarrement, le temps de l'amitié, puisque je l'ai connu en 1977, il est mort en 1984, ce temps de cette amitié qui a eu une croissance très, très bizarre, très lente, et
je m'en rends compte maintenant, a correspondu au temps de l'incubation, la maladie, plus ou moins, puisque approximativement, bon, des gens disent que le temps d'incubation est de 4 à 8 ans en moyenne, d'autres disent qu'il n'est pas vraiment fixé, d'autres disent qu'il fait 10 ans et tout ça. Bon, j'allais le voir à l'hôpital, et bon, je me suis mis très vite à écrire. Chaque fois que je rentrais de l'hôpital, bon, c'était des choses intolérables, je me suis mis à les écrire dans mon journal. Et je crois que je l'ai fait en fait pour oublier ces choses, parce que quand j'écris, tout ce que j'écris, une fois que c'est écrit, c'est oublié. Donc ça me permettait d'oublier instantanément les choses au fur et à mesure. Et en même temps, bon, est arrivé un moment, je me suis dit, mais de quel droit je fais ça? Il serait furieux, quoi, je me disais. Il serait peiné, je fais un acte de traîtrise, là, en faisant ça, même si je le fais pour l'oublier. Et d'un seul coup, ça a été vraiment comme une révélation, comme quelque chose, comme une vision, quoi, quelque chose de très, très curieux. Je me suis dit, en fait, je suis habilité complètement à écrire ça, parce qu'en fait, c'est mon propre destin. Et c'est ma propre mort que je suis en train de... En racontant la mort de Foucault, vous racontez votre propre mort. Ben ça, non, c'était dans le journal. C'était au moment où je... En même temps, je ne me suis pas servi de mon journal, parce que je ne pouvais pas... Oui. J'y suis même pas retourné pour écrire mon livre, parce que c'était trop... matière trop intolérable. Mais c'est vrai que vous êtes très impudique et en même temps, vous ne vous ménagez pas vous-même. Parce que vous dites, par exemple, là, le lendemain, j'étais seul dans la chambre avec Musil. Musil, c'est Foucault. Je pris longuement sa main, comme il m'était parfois arrivé de le faire dans son appartement. Puis j'appliquais mes lèvres sur la main pour le baiser. En rentrant chez moi, je savonnais ses lèvres avec honte et soulagement, comme si elles avaient été contaminées. J'étais tellement heureux et soulagé. C'est terrible d'écrire ça. Oui, c'est terrible. C'est la vérité. Je raconte aussi que... après un baiser, il y a un épisode à Mexico. Vous avez l'air vraiment renversé par ce... Non, c'est vrai. Non, mais je veux dire qu'il faut du courage pour raconter ça, c'est vrai. Parce que c'est... Oui, mais je ne sais pas. En même temps, pour moi, la vérité a une vertu. Enfin, il y a aussi... c'est pour ça que la vérité, très si cruelle soit-elle, je ne sais pas. Il y a aussi des effets de délicatesse dans la... Il y a quelque chose de... Il y a une certaine délicatesse, je trouve, et dans ce baiser sur cette main, et aussi dans ma peur et dans le fait de l'avouer, quoi. Alors, l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, c'est la deuxième partie du livre, c'est un Américain qui est un ami à vous et qui est donc un homme d'affaires et qui a un laboratoire et qui vous promet un vaccin, qui vous promet un médicament pour vous guérir. Et dès que vous savez ça, ça change votre vie d'une certaine manière. Et en même temps, c'est un imposteur. Ben, c'est le début du livre, c'est la première phrase, c'est « J'ai eu le sida pendant 3 mois », ce qui a fait que quand j'ai vu ma grand-tante Louise dimanche dernier, elle m'a dit « Ah, c'est formidable, alors t'es guérie, c'est écrit dans le Figaro cette semaine ». Parce que dans la page télé, ils ont pris la première phrase, il a vu « J'ai eu le sida pendant 3 mois » et c'est quelqu'un qui ne doit pas être en contact avec l'actualité ni avec la rubrique médicale, donc j'ai dit, tu sais, jusqu'à nouvel ordre, malheureusement, le sida est encore une maladie incurable. Ouais. Mais bon, non, c'est vrai que ça m'a, parce que bon, quand on a des prémonitions, on a des choses comme ça, il y a une alternance dans la conscience. À certains moments, on a besoin, et avant qu'on le sache vraiment, et après qu'on le sache, bon, c'est pas les mêmes alternances de conscience, mais bon, une fois savoir qu'on est séropositif, bon, c'est quand même, pour l'instant, jusqu'à maintenant, c'est quelque chose d'implacable, quoi. C'est quand même un coup près qui tombe. Je raconte, bon, quand je suis allé faire le test, je raconte le regard absolument éperdu d'un jeune homme qui sortait. Et une semaine avant que moi j'ai ce résultat, je me suis vu dans une semaine, quoi. Et c'est vrai que le monde s'écroule. Tout change, quoi, à partir de ça. Et bon, c'est vrai que pendant 3 mois, puisque c'est une maladie jusqu'à nouvel ordre incurable, bon, c'est une expérience incroyable. Pendant 3 mois, j'ai recalculé ce temps après, je ne sais pas si c'est exactement 3 mois ou tant de jours, 57 jours, je ne sais pas, j'ai commencé à accomplir quelque chose sur moi-même qui m'a amené dans la conscience que par la force des choses, je me rapprochais beaucoup de la mort. Et bon, c'est aussi une expérience difficile, mais c'est aussi une expérience, bon,
Je le dis dans le livre, de même que le... que le sida attaque le corps, qu'il le ratatine, qu'il l'agresse. Mais il a aussi un effet sur la conscience, forcément. Il a un effet, dans le meilleur des cas, d'épanouissement. Enfin, c'est un bond en avant. J'ai l'impression qu'il y a une progression de la conscience, comme ça. Et d'un seul coup, par le hasard incroyable qui m'a fait être en contact avec cet ami qui se disait détenteur d'une possibilité qui pouvait... Il ignorait que j'étais malade quand il a dit ça, mais de quelque chose qui pourrait me sauver. Ça m'a presque plus bouleversé que d'apprendre que quand j'avais appris que j'avais, que j'avais le sida. Oui, mais c'est un imposteur et c'est terrible quand même le mal qu'il vous fait. Et à un certain moment, d'ailleurs, il y a une scène terrible où il quitte le restaurant et vous pourriez simplement faire couler une goutte de sang dans son verre de vin. Oui, parce que c'est un ami révolté. Oui, mais parce qu'en même temps, je l'aime. Je l'aime. Je n'arrive pas à me départir de l'affection. Il m'a tué symboliquement. Et le livre le lui rend bien, puisque c'est un crime. Là, vous le tuez aussi. Le livre est mon instrument pour le tuer, quoi. Oui, c'est un crime. Bon. Moi, il me fascine en tant que personnage. J'ai jamais eu un personnage comme ça. J'aurais jamais pu l'inventer. Il y a des gens... Il est trop beau pour être vrai. Il y a des gens, d'ailleurs, qui pensent que c'est un dérapage dans la fiction à un moment du livre, puisque dans certains livres, je m'étais amusé à, sur une base un peu documentaire, comme par exemple des aveugles, à établir quelque chose de vrai pour pouvoir... inventer une fiction. Mais c'est cet ami américain qui s'appelle Bill qui vous dit à un moment, et c'est terrible aussi, de toute façon, tu n'aurais pas supporté de vieillir. Ouais. C'est assez formidable. Oui. Et c'est sa propre peur aussi, et de la maladie, et du vieillissement, et tout ça. Ouais. Pour ce qui est de la goutte de vin, donc de la goutte de sang dans le vin, parce que c'est assez amusant, c'était donc un ami proche qui était révolté, parce que ce n'est pas un ami écrivain, et c'est un ami qui voit la réalité, qui n'arrive pas à avoir un personnage, comme je dis, en or massif dans le livre, et qui m'a dit « comment tu peux dîner avec cet enfoiré qui te trahit, quoi ? Tu devrais vraiment, je t'en supplie, prends une aiguille, et dès qu'il ira aux toilettes ou qu'il tournera le dos, verse une... Je t'en supplie. » Là. Et il y a la correctrice des éditions Gallimard, qui est une dame adorable, qui a une cinquantaine d'années, qui m'a dit « Vous savez, monsieur Guibert, moi, je suis peut-être méchante, mais si j'étais l'héroïne de votre livre, moi, la goutte de sang, je l'aurais laissé tomber dans le verre. » Vous avez acheté de la digitaline en vue d'un suicide par arrêt du cœur. Vous l'avez toujours, la digitaline ? Je me suis beaucoup renseigné. Ça fait 10 ans que je me renseigne sur la façon de se suicider. Je disais ça à quelqu'un l'autre soir qui me dit « Mais t'es trop belle, pourquoi t'as pas acheté le livre ?» que tout le monde a chez soi. Bon, je me suis renseigné auprès d'un médecin, j'ai vérifié dans le Vidal de mes grands-tantes qui étaient pharmaciennes. Vous avez toujours l'intention, ou pas, maintenant, à cause du livre, peut-être, tout a changé que... C'est par moment. C'est-à-dire, je me suis rapproché de l'idée du suicide plus que jamais après avoir fait le livre. À un moment, parce que bon, le livre continue, il y a une mise en place de... C'est pour ça que pour moi, c'est aussi un roman, ce livre. Pour moi, tout est vrai dans ce livre, parce que rien ne pouvait être faux dans ce livre-là. Mais en même temps, je trouve que c'est un roman, parce qu'il y a une construction, il y a un suspense qui est mis en place dès la première page et qui est mené jusqu'au bout. En même temps, c'est un livre qui est agressif, qui est noir, avec même de l'humour noir, et donc qui ressemble même au sida, d'une certaine manière. Il a cette violence, il a cette agressivité. Et est-ce que vous avez voulu... Il y a souvent des phrases très très longues. Pourquoi c'est comme des poussées de fièvre, des emportements. Ouais. Il y a aussi l'aspect... J'ai écrit ce livre dans la découverte qui a été complètement... sidérante pour moi de l'écrivain autrichien Thomas Bernhard, que depuis 10 ans, des amis me disaient « Il faut absolument que tu lises Thomas Bernhard, c'est formidable, en plus c'est vraiment un écrivain pour toi et tout ça. » Bon, comme quand on veut convaincre quelqu'un. Et bon, je l'ai découvert au moment où j'écrivais ce livre, et souvent dans des livres que j'ai faits, il y a un écrivain derrière qui est comme un fantôme, comme une ombre projetée sur le texte. Et de même que là... Mon travail était devenu le sida, et le sida me travaillait, et je me suis laissé travailler par moment
par cette colonisation, comme ça, c'était comme un phagocytage de ma propre écriture, avec des, aussi des moments où je m'en défendais. Dominique